Boum, boum, boum. Paf, Pokérogue. Pourquoi est-ce qu'on joue à Pokérogue? Alors, en fait, mesdames et messieurs, le problème du cinéma que j'ai eu là, ce soir, eh bien en fait, j'avais lancé une run de Pokérogue. Et en effet, le petit souci que j'ai eu, on va appeler ça un souci, c'est que j'ai pas pu la terminer. J'avais lancé une daily run en fait, tout simplement. Et j'ai pas pu la terminer. Du coup, j'ai dû la save et la mettre de côté. Du coup, on va juste la finir. C'est une daily run, tout ce qu'il y a de plus classique, mesdames et messieurs. Il n'y a rien de spectaculaire, malheureusement, à vous proposer. Désolé. Mais voilà. Je vous propose un petit. Petite fin de run en fait, tout simplement. Voilà, donc j'étais run 31, voilà, avec cette petite équipe. Voilà, donc j'ai capturé tout à fait parce que c'était un Pokémon de la 5G. Et voilà quoi. Moi je vais me péter la gueule en un coup, malheureusement, ça me fait chier, je l'aurais bien capturé. Est-ce que ça le tue pas en vrai? Ouais, la vidéo va faire un peu mal. Ok, Nintendo Life, hop, Super Ball. Oh, s'te plaît, rentre! C'est chier le monde, en vrai. Deuxième tentative. C'est chier le monde. Mais sérieusement? Je te fous de ma gueule, en vrai. Et voilà, bah, bien sûr. Il y a un œuf qui a éclos et on a eu une chimère. Alors, je sais plus comment elle s'appelle. Je suis pas fan, mais on a eu une ultra chimère. Et pas une que je connais, donc c'est la violette, la petite violette, là. Elle est un peu nulle, mais voilà. On a eu ce Pokémon, donc on a en quelque sorte un peu un légendaire, mesdames et messieurs. Vimini, voilà, ouais, celui-là, peut-être. Exactement, Vimini. Merde, j'aurais dû changer ça bien, ouais. Voilà, bon, pas forcément fou de mon côté, mais en vrai, je prends, quoi. Non, t'as miss ? Oh, il a miss. Mais c'est cool d'avoir un petit Pokémon légendaire entre guillemets, on verra si ça aide pour les runs. Je pense que ça aide en vrai, donc je prends. Yes. Nickel. Alors Gigalith, on va tenter la capture. Ça peut toujours aider. Yes, une love. On va pas couper la gueule. Bon, Serbilin, c'est un sacrifice, mais. Sacrifice acceptable, on va dire. Arbitre, tu ne sers à rien, mais tranquille. C'est quoi pour bac déjà? Merde, je vais pas faire ça. On va faire gros que. Non, sérieusement. Tente. Tu fais chier, Gigalith. Oh, sérieux? Merci. Ok. Bon, pas mal. Pas mal du tout. On a des potions, des trucs comme ça, en vrai, c'est pas mal. Précision plus, on s'en foutait, non. En vrai, toi qu'à faire, hein, vas-y. Fais chier ce mec. On change de Pokémon contre ça. Oui. Boubata est pas mal en vrai. C'est chiant d'être malade, mais je suis plutôt guéri, je le sens. Petit lance-flamme. Oh, ok. Oh, le lance-flamme qui m'est bien en plus. Hein. Non, tunnel, sérieusement? Faut... Allez, KO. Me parle plus, s'il te plaît, mon frérot. Il est pas mal, Loom, attends. Si j'étais pas full 5G, je le jouerais plus souvent, je pense. C'est pas mal, ça traverse bien les trucs. Feu dragon, bonne combinaison. Un hyper bonbon fait monter toute l'équipe d'un level. C'est tellement pas utile. L'attaque. Tout le monde sentait pour moi de l'attaque, je pense. En vrai, je prends bien le Super Bowl, mais. Ah, le Super Bowl, mais ça me sert pas.
moi rien, je pense que je suis super bon, ouais. Merde, les Pokémon de merde là que tu me proposes, mon pote. Non, non, je change rien. Lance-flamme sur peut-être un insecte de brun et. Vas-y, la galombre, hein, pour être sûr de le tuer. Cool, Pokémon dégueulasse contrôlé par champignon. Non. Enfin, je force après, c'est ça? Ouais. Pas besoin de plus, mon pote. Du coup, on a quand même capturé un tout à fait, donc dans tous les cas, la run n'est pas foireuse. Hein. Dans tous les cas, on aura capturé un Pokémon quoi, pour le starter. Après, les autres, on a les stats, hein, mais. Bon, je suis pas assez bon pour que ça ait une vraie importance, on va dire. Quoi. On s'en fout, muscle plus. J'en ai besoin de ça. Oh, oui. 68 là, hop. Petit combat de dresseur là. Allez, Nikiko, vas-y. Oui. Ah, tu vas cage dans ta merde là. Vas-y, je pense ça. C'est niveau 62 je crois le maximum actuellement. Je crois. Mistibule. Oh, tu me mets tellement bien frérot. C'est un peu mal pour Mistibule, sachant que c'est un Pokémon que j'aime bien depuis Pokémon Réunion, mais. Désolé hein. Zard. Allez, salut mon pote. C'est dommage que l'argent ne serve à rien dans les runs des Liron. Hein. Attention en vrai. Ouais, est-ce qu'on peut le changer en fait? Sarbilin est en KO. C'est pareil, les lance-flammes ne semblent pas si mauvais. Dégage. Je crois que je l'ai, hein. Facile. Il est toujours dans le café, il est pas mal, il suit bien le train là. Il suit le train, hein, c'est pas mal. Hein. Mais il me semble que c'est pas très mal, hein, je pense. Ok. Non, j'ai rien dit, c'est pas ce que je pensais. On produit une autre attaque. Explosion. J'avais très vite, je m'apprends ça. Faut arrêter de vouloir apprendre cette attaque, les gars. Potion me semble pas trop mal. Les parfums, j'ai du mal à aimer les parfums, désolé. S'il y en a qui aiment le gameplay parfum. De mon côté, c'est pas ma cam. Ciao, Parasect, ça dégage. Lien du destin. Désolé, mais c'est le bugger, lien du destin. Est-ce que. Je vous montre, hein. Si un assaillant porte un coup fatal au lanceur après qu'il ait activé cette capacité, tous les deux sont mis KO. Mesdames et messieurs, je vous présente ce qu'on va utiliser contre le boss final, en fait. Trop facile. Sinon, c'est la meilleure attaque du jeu, en premier degré. D'ailleurs, le Pokémon, il est KO, t'as pas assez de rappels dans le jeu pour kiffer ça, je trouve. Enfin, je vois ce que tu veux dire, mais... Augmente de 25%, est-ce que j'en ai besoin ou le rappel max pour réanimer un Pokémon banger le plus utile, quoi. Je vois ce que tu veux dire, tu vois, mais... Non, c'est une blague. J'étais en mode... Attends, mec, j'étais totalement perdu, je reconnais. Alors que ça peut être bien, je suppose, pour des finishes ou des trucs comme ça, mais... Sur, genre, sur Gigalith, qui ne servira peut-être pas des masses, peut-être ça pourrait servir, je dis pas le contraire. Hein. Je suis tellement nul que j'accepte tous les trucs, je les prends. Hein. Je suis très nul à Pokérone, en vrai, j'apprends un peu au fur et à mesure, mais... Oh, hyper potion, en vrai, là, hein. Sur... ouais, bah, vas-y, go. Oh, oui. Un deuxième. Ouais, en vrai, toi, vas-y. Je te sors une belle ballon, là, des familles, là. Encore une deuxième, là. Vas-y. Vas-y, de toute façon, pire. Vas-y, je te sacrifie, mon pote. Non, je t'ai pas sacrifié, pas besoin. Non, Gigali, tu te fous de ma gueule. Non, il sera rien. Tout ce qu'à faire sera réanimé dans un tour, mesdames et messieurs. Avec ça,
On a besoin de le capturer, ça fait des bonbons en plus et ça fait des XP et tout ça, enfin c'est utile. Hein. La capture n'est pas useless, on a besoin de tuer, c'est là qui se pose la question. Même si on part dans l'équipe, ça nous fait des stats en plus, ça nous fait des bonbons en plus, c'est toujours utile. J'ai... Mon défi de capturer des Pokémon de la 5G uniquement est trop... On va dire compliqué pour faire une run entière que tous les Pokémon de la 5G que je capture pour maximiser mes chances de réussir quoi. En vrai, j'ai envie de dire ça. Ouais, Zarbi, il sert à rien, je suis désolé. Au moins, Gigalix, ça fera un deuxième tank, un petit peu en quelque sorte. Damoclès ? Laisse tomber, c'est du lourd. Je vois qu'il y a un si haut level qu'après ça, quoi. Damoclès. Genre, toi, tu vas apprendre explosion, au cas où. Au cas où, si j'ai besoin. En plus, il y a des Pokémon de plein de types différents. Ouais, c'est sûr que ça joue beaucoup aussi, c'est sûr. Hein. Tout tanker si possible. C'est qui le boss? C'est un dresseur? Oh, Pierrick! Je crois que je t'ai déjà battu, Pierrick, je crois. Ah ouais? Sérieux? Oh non! Tu me mets tellement bien, connard! Vas-y, je vais finir avec lui. C'est top fort, ça. Bon, tant pis, encore plus, ça va être sacrifié. Je vais pas perdre un tour pour un switch, mesdames et messieurs, je vous le dis. Il a fermeté, bon, on s'en fout. Ah ouais, quel connard. Mais c'est quoi? Oh, la strat de connard. Oh, la strat de... Une folie en vrai. Là, le une folie dans Carry. Coucou. Il bat sa précision. On va essayer de le laisser, comme ça il va pas, lui, il va pas changer. Si on met un Pokémon qui défonce les ténèbres, il va nous... Il va le changer quoi, après. Si on le laisse servilin, il va pas le changer. Faut juste qu'il ne touche pas, il est confus et on baisse sa précision. On est trop, on peut l'avoir. Enfin, on peut avoir le Tyranno aussi, peut-être qu'on aura Pyrite, j'en sais rien. Donc on va pouvoir commencer à taper sur du météore, je pense. Frérot, hein. Oh, la bise glaciaire encore, deuxième fois. C'est pas efficace. C'est pas celle-là. Celle-là non plus, j'attendais pas. Bon, peut-être que Pierre va me défoncer en vrai. En vrai, je suis obligé de le tenter. Hein. Je suis obligé. Je suis obligé de le tenter. Ça fait mal. Oh, il a mis. Pourquoi tu augmentes ton attaque, là? Oh, le coup de presse. Oh, le coup de pression qu'il m'a mis sur forêt. Roche résiste à normal, je ne savais pas. Comme quoi, je connais pas assez les types. Hein. Là c'est tout mal. Hein. Ok, c'est Twitch sur Nikkei, il est mort normalement, l'Abderrock, je fais du x2 mais ça ne fait pas. Ah, le one shot sur l'Abderrock. Ok, donc ma résistance, je pensais qu'elle était plus efficace, mais. Bah, avec ça, sinon après c'est du x2 sur la roche. Hein. Je suis obligé. Je te fais pas. Ah, oh, connard! Non, tu... Non, time, là, mon pote. Aucun effort. Alors là, c'est... Je veux dire, là, à part faire psycho... Il y a un mètre sur cet insecte. Oh, non. Oh, mais... J'ai oublié qu'il était encore en vie, cette vidéo-ci. Alors, ouais, j'ai plus de chance avec Zander, mais... Oui. Ah, voilà. C'est un bourrin, Charcot, sinon on prend en attaque. Ah ouais, ça fait très très mal, Charcot. Putain, on a perdu contre Pyrrhic, ça me fout le mort. Bon, du coup, mesdames et messieurs, voilà. Bon, voilà, on a eu pas mal d'œufs, comme vous pouvez le voir. Je vous montre vite fait les œufs qu'on a eu. Et on a eu, voilà, des œufs aussi du côté de la 5G. Ça, c'est pas mal du tout. Et on a eu notamment Tic, qui a accès à la capacité œuf bout de feu, qui est pas mal du tout, qui a un type acide qui est très résistant bah, au. En général, Gricui a eu Vampire Point, c'est pas mal du tout non plus, un petit type combat. Bon, au début, ça sert pas à grand chose, mais c'est pas mal. Il me semble qu'on a eu. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre en capacité là, de ce côté-là? On a eu. Non, mais oui, en effet. On a eu une chauve-sourire, la preuve. On a eu un judo crack aujourd'hui.
on a eu un W. Voilà. On a eu un Darumacho. Darumaro, oui, même. Tout à fait, on l'a capturé. Du coup, Cryptero, on l'a capturé. Hein, c'est pas mal tout. Je suis content du Cryptero, je l'aime bien. Krabicoque avec Pince Mince, c'est pas mal. Flashido, on a toujours pas. Hein. J'ai toujours le mort. Hein. Sort bébé, pas mal du tout. Et Molga aussi, pas mal du tout. Des Pokémon mignons, hein, mais bon, voilà, qui sont pas forcément. Est-ce qu'il y a des Pokémon où on a plus de 20 super bonbons depuis le temps là 2, 3, 13, 4. Bon, c'est 40 qu'il faut de toute façon, je crois. Hein. Après, déjà à 20, c'est intéressant. Hein. Je dis ça, mais à 20, c'est déjà intéressant. Ouais. 8, 4, 2, 3. Putain, j'ai rien. Ouais, un peu chaud. Comment on back sur PC? Ouais, te fous pas mal comme ça. Est-ce que. Voilà. Petit gacha, j'ai des tickets, j'en ai deux. Genre pour lui? Non, non, laisse tomber. Ok, on a quelques tirages qu'on fera quand on aura des bons Pokémon. Et du coup, ouais, comme je l'ai dit, je voulais le montrer, my bad. Voilà, le Pokémon encore une fois, j'ai eu, voilà en effet, ça ressemble à Vimini. Voilà, qui est... Alors il y a le boost chimère, c'est très fort le boost chimère en réalité. Donc peut-être que je ferai des runs en essayant de le jouer. C'est pas ma cam. De toutes les chimères, c'en est une que j'aime le moins parce qu'elle est dégueulasse. Mais elle évolue. Et elle est pas dégueulasse quand elle évolue. Donc peut-être, avec son talent, peut-être que je la jouerai. Après c'est une place de 7, donc c'est quand même très coûteux. Mais voilà, je vous dirai avec le temps est-ce qu'on la jouera ou pas. Voilà. Mais on restera à mon avis sur un bon tic au début. Je sais pas si tu sais mais les shiny augmentent la chance lors des loots de fin de combat. Ouais, je savais pas. J'ai eu deux shiny. Normalement j'ai Mystère en shiny. Voilà, comme ici on peut le voir. Voilà, j'ai eu Mystère. C'est pas dégueulasse, hein, Mystère. Et j'en ai eu un autre aujourd'hui, je crois. Voilà. Touche de Maru, que j'aime pas du tout. Mais ouais, ouais, je savais pas que les Shiny augmentaient les chances de loot. Je verrai, je verrai. Après, bon. J'avoue que. Je sais pas si c'est les loot qui m'embêtent le plus. Après, je sais pas gérer l'argent encore, faudra que je vois pour gérer l'argent. Mais je vois bien commencer la run avec un tic. Non, on va commencer. Alors attendez, parce qu'on m'a dit que le comment ça s'appelle, la rivale avait le comme premier Pokémon comme starter en gros un truc qui était efficace sur notre premier Pokémon. Donc si je veux jouer Tick, il faut que le premier Pokémon soit genre pas un Pokémon plante. C'est pas un Pokémon qui a une faiblesse feu en fait. Pas forcément. Ah merde, pour c'était fiable comme information, fait chier. Bon, du coup, ça change rien. Tick qui combat comme premier Pokémon. Quoi. Donc, ça fait quoi là? Oh, c'est que Rayleigh qu'on passe. Attends, tu peux pas avoir un multicoup? Fais chier. J'en ai un mec qui est multicoup le Chachido, plus que Rayleigh quoi. Tu sais qui est proche des 20 bonbons de toute façon, c'est toi, ouais, c'est le plus proche, quoi, à 13. Toi t'es à 4, ouais d'accord, ok. Ouais. Toi bientôt tu vas avoir. Tu vas coûter moins cher, bien vu. Diminuer, j'espère qu'on diminue bien quoi. Mais du coup, afin de capturer des nœuds de vide, vous voyez, on peut changer le sexe du Pokémon, ce qui ne change absolument rien, on peut changer le talent. On va garder fermeté, bien sûr. On peut changer la nature, ce qui nous permet notamment de voir un petit peu quelle stat on peut améliorer en priorité. L'utilité peut ne pas être folle, mais bon, moi ça me sert toujours un peu maintenant. Et voilà, grosso modo l'intérêt de capturer plusieurs Pokémon. Quoi. Mais bon, voilà, bon, ça n'a pas duré très longtemps, Pokémon Pokérogue, 20 minutes, mais tant mieux, parce que comme ça au moins ça me permet de passer à Poképark très rapidement. Bon, je sais que c'est un peu long les pauses, mais je vais vous mettre la pause, le temps de changer le titre, tout ça. Et d'aller boire un petit coup de tir au passage aussi. Donc je vous laisse 5 secondes et puis on va essayer de voir si on peut finir l'histoire, en tout cas de Poképark 2, ce soir, mesdames et messieurs.